Seigneur Jésus, toi qui as fait un si long déplacement auprès du Père pour venir planter ta tente parmi nous, toi qui es né au hasard d'un voyage, toi qui as couru toutes les routes humaines, tire-moi de mon égoïsme et de mon confort. Fais de moi un pèlerin. Je veux écouter ta parole et me laisser ébranler par ton amour, sans cesse tenter de vivre tranquille. Tu me demandes de risquer ma vie, comme Abraham, dans un acte de foi. Sans cesse tenter de m'installer, tu m'en demandes de marcher en espérance. Créé par amour pour aimer, fais Seigneur que je marche vers toi, avec toute ma vie, avec tous mes frères et sœurs, avec toute la création, dans l'audace et l'adoration. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en chantant avec le numéro 15. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, bienvenue à nos fidèles paroissiennes et paroissiens, bienvenue à vous qui êtes ici peut-être en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. Nous sommes un peu entrés cette semaine dans un rythme qui commence à être un rythme un peu estival où les activités paroissiales commencent à tourner un peu au ralenti, mais nous sommes fidèlement là pour le culte et nous avons commencé la semaine dernière une petite série de trois prédications autour de trois verbes clés de la démarche spirituelle: écouter, cheminer, demeurer. Et aujourd'hui, ce sera le verbe cheminer. Et il est de nombreux psaumes qui parlent précisément de cette mise en route, de ce chemin. Et il y en a un qui est célèbre parmi les célèbres, c'est le psaume 121, que je vous invite à dire ensemble. Nous le trouvons au numéro 203 du psautier. Vous pouvez rester assis, nous allons le dialoguer. Vous l'avez au numéro 203 sur la page de droite. C'est ce fameux psaume 121, dit psaume des montées.
également. Vous direz les phrases en italique. Je lève mes yeux vers les montagnes. Le secours me vient du Seigneur. Il ne permettra pas que tu trébuches. Non, il ne dort ni de sommeil. Le Seigneur te gardera de tout mal. Le Seigneur te gardera du départ à l'arrivée. Amen. Ô Père, tu nous montres dans l'Écriture un chemin et tu nous appelles à le suivre. Mais pour cela, il nous faut commencer par partir, quitter nos habitudes, nos conformismes, nos tranquilles assurances et nos vaines justifications. Regarde, Seigneur, tous ces obstacles, ces ponts cassés qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la foi. Nous te les remettons et nous te le demandons. Dénoue les liens qui nous retiennent. Abat les murs qui nous enferment. Construis les ponts dont la brisure nous isole. Par ton pardon, donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, ni une arme pour nous protéger des autres, mais une mise en route vivante et authentique qui seule est capable de déplacer les montagnes. Amen. Faisons un instant silence devant Dieu. Si l'orgueil et l'oubli nous enferment sur nous-mêmes, la louange et la gratitude nous libèrent de nous-mêmes. Que le pardon de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la liberté de l'Esprit nous relèvent et nous envoient. Allons, le cœur léger, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur a pardonné. Amen. Et c'est fort de cette assurance, dans cet amour et ce pardon de Dieu, que nous pouvons réentendre la loi de Dieu telle que le Seigneur l'a résumée. Nous le disons ensemble au numéro 163. Nous disons ensemble. Voici comment notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé la loi de Dieu dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Et nous nous levons pour chanter au cantique 447, un cantique qui nous met en chemin. Thank you.
terrible pèlerin de l'aventure humaine et secrète présence à l'histoire de chacun. Compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons, souvent obscurément. Mets en nous le souffle nécessaire pour prendre ou reprendre la route. Oser croire qu'il est toujours une issue. Surmonter la crainte de nous perdre. Tenter contre toute prudence la traversée de la nuit. Pour être sans cesse en chemin, répondant à ton appel intime, nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Puisse-t-elle constamment nous déranger, nous ébranler, nous tirer en avant. Ouvre nos cœurs à l'écoute de ta parole qui seule peut nous remettre en chemin quand nous sommes arrêtés ou assoupis. Amen. Nous lisons d'abord dans Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Et nous lisons maintenant dans Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. » Et nous chantons au cantique 334.
Après le verbe « écouter » la semaine passée, nous nous intéressons donc au verbe « cheminer », un incontournable. Ne parle-t-on pas précisément de cheminement spirituel ou de démarche de foi ? Il y a immédiatement, lié à la foi, à la spiritualité, l'idée d'un déplacement, d'un mouvement. La foi est une quête qui nous déplace, nous bouscule, nous fait bouger, autant symboliquement que physiquement. Le croyant, c'est le contraire absolu du parvenu, c'est-à-dire de celui qui se croit déjà arrivé au but, qui a tout accompli. Le croyant est forcément un peu pèlerin dans l'âme, que ce soit sur le chemin de Compostelle ou assis sur les bancs du temple. Et ce sentiment se retrouve dans toutes les religions. En islam, le pèlerinage, on le sait, est un des piliers incontournables de la foi. Le judaïsme se construit autour d'un acte fondateur qui est celui de l'Exode. À la lecture du Nouveau Testament, on découvre un Jésus qui est constamment en mouvement. Jésus prêche, guérit, chemine à ciel ouvert. Il se déplace sans arrêt. Christian Bobin le décrit comme l'homme qui marche dans son fameux ouvrage. Parler de cheminement, de déplacement, alors évidemment ça tombe bien en cette période de vacances où nous allons assister à une grande transhumance. Nombreux, moi y compris, allons profiter de l'été pour bouger, pour changer d'air, pour nous déplacer. Mais attention, il y a une grande différence entre le touriste et le pèlerin. Comme touriste, je voyage essentiellement pour observer de l'extérieur comme un étranger de passage. Le pèlerin est mu par une autre démarche, celle d'une soif intérieure qui le pousse à aller de l'avant sans forcément savoir où il va, à l'image d'Abraham qui part sans connaître sa destination. Le touriste prépare le plus souvent son voyage dans les moindres détails. Il connaît non seulement le chemin à emprunter, mais surtout le but, la destination de son voyage. Quand un imprévu fait irruption dans une prestation touristique, cela s'assimile à un accident, voire à une défaillance du service proposé. Le pèlerin, lui ou elle, même s'il ne voit pas toujours le but, la destination finale du voyage cherche un sens à chaque étape de son voyage, qu'elle soit prévue ou imprévue. Ce qui est le plus important dans le pèlerinage, ce n'est finalement pas tellement le but, la destination finale à atteindre, mais le fait même de se mettre en route dans un état de disponibilité intérieure pour se laisser rencontrer, surprendre. C'est ce qui est beau, finalement, dans le cheminement du pèlerin, dans la quête spirituelle, c'est de voyager sans avoir un but clairement défini. Et parfois, ce chemin spirituel nous mène bien plus loin qu'on avait pu l'imaginer au départ. C'est souvent l'expérience, du reste, que font des catéchumènes lorsqu'ils commencent leur parcours de foi sans trop savoir où ils mettent les pieds et surtout sans avoir une idée préconçue de là où ils vont aller. Et souvent, ils regardent 2 ans après, en arrière, en se disant qu'ils ont fait un chemin bien plus grand et profond qu'il n'avait pu l'imaginer. Et ce qui est beau dans un pèlerinage l'est parfois moins dans la vie. Quand il nous arrive que nous perdions le cap,
quand on s'égare, quand on tourne en rond, quand on ne sait plus comment faire, ni où aller. Il arrive en effet des moments dans la vie où nous ne voyons plus, pour différentes raisons, accrocs, accidents, remises en question, le but. Il est difficile de continuer à avancer ainsi. Et il faut parfois quelqu'un pour nous aider à retrouver alors le chemin. C'est là que la parole du Christ est tellement précieuse. « Je suis le chemin », nous dit-il. Jésus, ce qui me plaît, ne se présente pas tellement comme notre objectif, notre but ultime, le Graal, mais il est notre chemin. Non seulement Jésus, on l'a vu, marche sans cesse, mais il est également celui qui nous met en marche. À sa suite, sur tous les chemins de la vie, il nous est donné de découvrir que chaque marche peut devenir, avec lui, grâce à lui, une aventure spirituelle. Chaque chemin, chaque route, chaque déplacement peut devenir pour nous notre chemin d'Emmaüs, où l'on découvre que l'on ne chemine pas seul, mais que le Christ marche à nos côtés, qu'il est véritablement notre chemin. Oui, Jésus est le chemin. Ce verset de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 14 est certainement un des plus célèbres du Nouveau Testament. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Un des plus célèbres, mais pas un des plus simples, car il semble à première lecture assez exclusif. Mais j'aime personnellement dire que Jésus est mon chemin. C'est ma confession de foi. Pour moi, c'est vrai, Jésus est mon chemin, il me guide. À dessein, je choisis l'Évangile comme chemin de vie. Je crois que c'est le plus beau chemin sur lequel nous puissions avancer. Cela donne sens à ma vie, à tous les sens du terme, signification, valeur, mais aussi direction, objectif. Y a-t-il seulement un plus beau chemin que celui de l'Évangile? Il y a là un projet de bonheur et de paix, et c'est en cela qu'il est aussi vérité et vie. Une parole, je l'ai dit, qui peut sembler exclusive, mais en fait, on remarque au fil de l'Évangile, sur ce chemin, Jésus accueille très largement et généreusement ceux et celles qu'il rencontre et qui ne font pas forcément partie de son cercle. Ce qui était vrai hier, par exemple avec le centurion romain ou la femme syrophénicienne, qui sont non seulement accueillis par le Christ, mais reconnus par lui comme exemplaires pour leur foi. Ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui. Jésus n'exclut personne sur son chemin, ni hier, ni aujourd'hui. Et sur ce chemin, en effet, nous ne sommes pas seuls. Certes, toute démarche spirituelle est toujours et avant tout une démarche personnelle, intime, mais elle n'est pas pour autant solitaire. Même les ermites, finalement, sont étroitement liés aux autres personnes par le lien de la prière. Sur ce chemin, nous ne sommes jamais seuls. Et c'est ce qui nous permet aussi de voyager léger. C'est peut-être aussi ça la différence entre le touriste et le pèlerin. Le pèlerin n'emporte que le strict minimum, car il sait qu'il va devoir apprendre et va pouvoir faire confiance et gérer l'imprévu, l'inattendu, précisément parce qu'il n'est pas seul. Il peut et doit compter sur les autres. C'est drôle, du reste, de constater qu'aujourd'hui, sur le marché très en vogue des pèlerinages, on peut trouver maintenant des offres de pèlerinage 3 étoiles, où tout est confort, tout est prévu, organisé et programmé. C'est un peu le comble du non-sens. À l'image de la vie,
Le pèlerinage est semé d'embûches, d'imprévus, délicats, parfois douloureux, mais aussi souvent riches de rencontres, de découvertes, d'approfondissements, de surcroît de vie. Et il faut donc apprendre à faire confiance à ce que l'autre, avec un grand A, et les autres, avec un petit a, peuvent nous apporter tout au long du chemin. Vivre sa vie comme un pèlerinage, comme un cheminement, c'est reconnaître que j'ai besoin des autres. Vivre une vie non pas remplie, encombrée de toutes nos assurances inutiles et vaines, mais habitée par la présence de Dieu et l'espace laissé à ce que l'autre croisé sur le chemin a à m'offrir. N'est-ce pas précisément ce que nous essayons de vivre en communauté? Une communauté qui s'est mise en route, une communauté qui permet à chacune et chacun d'exprimer sa créativité propre. Mais sur ce chemin, où nous cheminons de concert, nous avons besoin les uns des autres pour avancer. J'aime cette image que j'emprunte au nouveau prieur de Thésée quand il écrit « Les cordes d'une guitare sont l'une à côté de l'autre, mais c'est lorsqu'elles sont jouées ensemble qu'elles peuvent produire un son harmonieux. » Oui, c'est ensemble que nous cheminons, à la rencontre du Christ, à l'image des pèlerins d'Emmaüs. Alors je ne suis certainement pas le seul à avoir une affection particulière pour ce beau psaume 121 que nous avons dit ensemble à l'instant. Ce psaume, magnifiquement construit, commence par poser cette question « Mais d'où me viendra le secours ?» Le psalmiste, dans sa confiance, veut souligner combien le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, vient là pour veiller sur nous. Il ne somnole pas. Non, il ne dort ni ne somnole, le gardien d'Israël. Même si les éléments naturels comme la lune ou le soleil peuvent être menaçants, le Seigneur les domine. Il veille sur nous dans l'espace et le temps. Alors même que le pèlerin ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, ce qu'il devra affronter comme imprévu sur la route, il peut se mettre en chemin, en cheminement, avec confiance. Et ce psaume est comme une parabole de toute vie. Comme le pèlerin qui part de Jérusalem et se met en route, chaque matin, nous nous retrouvons dans la même situation. Nous devons nous mettre en route. Et aujourd'hui, peut-être encore moins qu'hier, nous comprenons le monde et nous pouvons nous projeter dans l'avenir. Il semble difficile désormais de vouloir chercher à tout maîtriser, à tout organiser, à prendre toutes les assurances possibles. Fondamentalement, ce que nous apprend le pèlerin, c'est à faire le pari de la confiance et à ne pas nous embarrasser de ce qui finalement nous pèse et nous encombre. S'en remettre à Dieu, faire confiance, chercher une vie habitée et non pas simplement remplie ou pire, encombrée par ses soucis ou ses certitudes. Avancer certes seul, mais avec d'autres et en comptant sur eux. Être prêt à être surpris et transformé par le voyage. Voilà entre autres ce que nous pouvons apprendre du pèlerin pour notre vie ordinaire. Faire confiance. Car demain, le Seigneur sera à nos côtés, comme il l'a été hier et l'est aujourd'hui, quel que soit le chemin sur lequel notre vie nous entraîne, que ce chemin soit choisi ou subi, qu'il soit un chemin de bonheur ou d'errance, quelle que soit la difficulté que nous avons à comprendre le monde dans lequel nous vivons, quelle que soit la violence parfois qui nous submerge, le Seigneur chemine à nos côtés et c'est lui qui peut toujours et encore nous relever et nous remettre en chemin. Amen.
invite à vous associer par la prière à cette confession de foi. Seigneur, nous sommes en marche vers toi, tels des pèlerins en chemin. Et tu nous appelles à nous entraider, à nous attendre et à témoigner de ta tendresse pour tous. Sur ce long chemin, tu nous prépares un festin. En te donnant à nous, tu renouvelles nos forces pour vivre ta justice et ta paix avec tous. Béni sois-tu, car déjà maintenant nous avons part à la richesse et à la plénitude de ton royaume. Nous sommes en chemin et en communion avec toi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Et je vous invite à prolonger cette confession de foi en chantant le cantique que vous trouvez sur le feuillet à l'intérieur de l'ordre du culte, Abba Père, que nous chanterons deux fois. Prions encore le Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes en chemin et parfois ce chemin est tortueux, semé de pierres et de pièges. Parfois nous tombons, parfois nous nous égarons, parfois nous avons l'impression d'arriver dans des cul-de-sac. Alors Seigneur, j'aimerais ce matin te prier pour tous ceux qui peinent à trouver leur chemin, le sens, la valeur de leur vie. Aide-les, chemine avec eux, relève-les. Rappelle-leur combien tu es le chemin. Nous te prions pour tous ceux qui sont malades, qui traversent l'épreuve de la maladie avec toutes les incertitudes que cela peut entraîner. Celles et ceux qui traversent l'épreuve du deuil et de toutes les remises en question que cela induit. Nous te prions pour ceux et celles qui font l'épreuve du chômage ou qui se sentent mis de côté, délaissés, abandonnés au bord du chemin. Redis-leur leur valeur. Combien, toi, tu ne laisses personne au bord du chemin. Nous te prions pour tous les jeunes qui affrontent une période d'examen. Soutiens-les, renforce-les pour qu'ils trouvent aussi dans la vie le chemin et que des portes s'ouvrent devant eux. Nous te rendons grâce pour tous les enfants et les jeunes qui ont participé cette année aux activités de notre paroisse pour qu'ils puissent effectivement se sentir accompagnés dans leur vie. Et nous te remettons déjà avec reconnaissance toutes celles et ceux qui se sont inscrits pour les groupes de l'année prochaine. Mais Seigneur, dans ce monde où nous avons, nous, la chance de vivre en paix, nous remarquons combien
la vie est plus dure pour d'autres. Et nous pensons notamment à certaines communautés sœurs, toutes ces églises chrétiennes qui vivent dans un contexte de paix, de violence, de souffrance, d'oppression. Accompagne-les, soutiens-les. Nous te remettons la conférence de paix qui a lieu ces jours en Suisse. Puisse-t-elle porter du fruit? Puissions-nous aussi être porteurs de paix dans tous ces conflits oubliés? Seigneur, nous te prions pour toutes nos communautés chrétiennes ici à Genève, catholiques, protestantes, évangéliques, pour que ensemble nous puissions être des témoins joyeux et crédibles de ton évangile. Nous te prions enfin pour nos autorités politiques, dans ce monde troublé, suscite, Seigneur, des hommes et des femmes capables de susciter la paix, de renforcer nos démocraties, de laisser une place à chacune et chacun, et d'être toujours attentifs aux plus démunis parmi nous. Enfin, Seigneur, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, qui sont proches à notre cœur. Accompagne-les, soutiens-les, bénis-les. Toutes ces prières, Seigneur, nous te les disons en sachant fort bien qu'avant même que nous les prononcions, déjà, tu les as entendus. Ces préoccupations qui sont les nôtres sont avant tout les tiennes. Mais Seigneur, en te les adressant, nous avons cette confiance que tu les entends et que tu nous entends et nous accompagnes. Nous les réunissons toutes maintenant dans celles que ton Fils nous a enseignées et qui ne fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons au temps des annonces. Comme je le disais, nous sommes entrés dans une période plus tranquille. Quelques annonces. D'abord, pour vous dire que si vous ne recevez pas les informations de la paroisse et que vous êtes ici peut-être pour la première fois, n'hésitez pas à prendre le journal de paroisse et surtout la feuille du mois. Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées auprès d'un conseiller d'accueil pour que nous puissions vous les faire parvenir directement. Nous sommes bien évidemment attendus pour l'après-culte qui sera servi dans le foyer, mais même dans la cour, je vois que Daniel a même préparé des petits coussins pour ceux qui voudront prendre leur apéritif dehors. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu ce culte possible, à Daniel évidemment, à Solomon qui prépare toujours le culte avec grand soin, à Marianne et Marc qui ont été à l'accueil, Gabriel pour les lectures, Tigrane pour la musique, Matteo pour la prise de vue, c'est toute une équipe chaque fois pour un culte comme celui-là. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre série de prédications sur le troisième terme, demeurer, et ce sera au temple de Malagnou. J'aurai le plaisir de présider à nouveau ce culte. L'offrande de ce jour, en ce week-end où l'on pense particulièrement aux migrants et aux réfugiés en Europe, et on sait combien leur situation est précaire et n'est pas prête de s'améliorer,
Eh bien, l'offrande du jour est destinée à l'entraide protestante aux églises et aux réfugiés, les pères, une des œuvres d'entraide de notre Église. Nous allons donc participer à notre offrande pendant laquelle nous chantons notre dernier cantique, un beau cantique aussi qui nous met en chemin, le numéro 379. Seigneur, nous te rendons grâce, car dans les rues de nos villes, c'est toi qui viens, les rues de bruit, les rues tranquilles, tu viens. Dans nos fêtes, dans nos fautes, dans nos folies les plus hautes, tu viens. Dans nos nuits les plus sombres, dans nos jours ensoleillés, dans nos habitudes et nos découvertes, tu nous rejoins comme un ami, comme une paix. Seigneur, nous te rendons grâce, car pour chacun de nos voyages, là où la vie nous entraîne, tu demeures notre compagnon le plus fidèle, et toujours devant nous, tu ouvres un chemin de vie. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Oui, que le courage de Jésus donne des ailes à nos actions. Que le souffle de Dieu affermisse notre communion, que le règne de Dieu croisse au sein du monde. Que Dieu nous bénisse, lui qui est la source, le chemin et le sens de nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.